Allez, c'est parti. Oh, c'est intéressant. Alors, nous avons un Eden qui commence avec 0,89 de speed, ce qui n'est pas génial, mais ça va. 25,58 de range, 0,89 de shot speed. Bon, ça va, ok. Bon. 10 de tier rate, ce qui est bien. 3,55 de dégâts, ce qui est bien. 0,90 de luck, ce qui est bien. Nous avons Tech 5, ce qui est excellent. Et nous avons la Pandora's Box qu'on utilisera je ne sais pas quand. Il y a des étages où c'est plus intéressant que d'autres. Cave 2, Womb 1, c'est utilisable également. Cave 1. Et sinon, c'est moins intéressant. Mais suivant ce qui se passe, on verra. Peut-être qu'on utilisera à un autre moment. Et deux cœurs bleus, c'est pas ouf. Et on a aussi le Child's Leash, je crois. Ce qui permet d'avoir les familiers qui sont plus proches et plus resserrés de Eden. Bon, on n'a pas de familier, mais si jamais on en a. Et on commence par Envy parce que c'est génial. Ça, c'est le jeu qui veut bien te montrer que t'es pas en speedrun. Hein. Donc, vas-y, fais-le. Hein. Tu trouves que c'est long, c'est pas grave, t'as le temps. Shubda Hoop, qui est un bon objet. Hein. C'est un très bon objet, Shubda Hoop. Hein. Ça, c'est moins bien déjà. L'île Monstro, je suis pas fan. Hein. Je crois qu'il soit essentiel. Le Tech 5 qui fait le café, hein, par contre. Pourquoi pas. Rien de plus à se mettre sous la dent sur ce premier étage qui était finalement assez rapide. On va enchaîner avec le deuxième étage. C'est rapide ce premier étage. Mais bon, j'avais pas de bombe. Ah. Intéressant ça. Par contre, c'est une change room avec des boss. Bon, ça va parce que c'est que pin pour commencer et derrière. Oh, ça va. Ah, ça va. Je viens déjà de prendre un coup, mais. Combien il meurt à un moment, eux. Mais t'es sérieux? J'ai pris deux touches? Mais quelle merde. Mais quel con. Bon, ça va. Ça me rassure dans le fait d'avoir fait cette challenge room. Ça valait le coup. Bon, lui, ça serait bien qu'il me donne un HP up. Tant pis. Mais ça aurait été bien. Un HP up, j'aurais... Bah, pour les Devil Deal. Hein. Pour le Devil Deal. Pour le premier, en tout cas. Ça serait pas mal. 3 cœurs bleus, bah, ça permet pas de prendre le Devil Deal. Wow.
serait bien d'avoir une bombe ou deux, par contre, à un moment. Ça m'intéresse plus que Child's Leash. Même si pour l'instant ça sert à rien. Ah, une bombe. Très bien. Oh, alors celui-là, ça fait bien longtemps que je l'avais pas vu. Hein. Alors évidemment, ma speed est dégueulasse, mais mes dégâts sont bien. Alors évidemment, il va falloir que ma speed augmente parce que faut pas que je traîne ma misère comme ça pendant trop longtemps. Ça va être pénible. Hein. J'ai 4 cœurs. On va toucher le bouquin. Garder la Pandora's Box. Et on va aller voir le boss. Ouais. Ouais. On va y aller comme ça. Alors, qui c'est? Monstro! Oh, le pauvre. Oh le pauvre, il va pas kiffer. Ouh, c'est proche ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Mons Pearls. Ouais. Et Judas Shadow. Ouais, ouais, ouais. On est comme ça, par ici. Bah c'est cool. Oh, quel dommage. Cette bombe était tellement mal placée. Ça, c'est ballot. Alors ça c'est ballot. Hein. Alors ça, vous voyez, c'est ballot. Hein. Ah ouais, j'ai appuyé sur le bouton de la bombe, mais mais au mauvais moment, hein. On va prendre le Counterfeit Penny. Parce que j'ai pas vraiment besoin de la batterie AAA pour le moment. Eh. Bah, j'ai fait le conservatoire, mon monsieur. Hein. Absolument pas, mais. Mais quand même. J'aurais pu. J'aurais pu. Ah
Alors on est en Curse of the Blind, ce qui me produit justement chier. Range up. Mais elle m'a mis un dégât, elle. Saloperie. C'est la merde. C'est très la merde. Je joue comme un con, là. Mais pourquoi je me mets dans un coin, là? Extrêmement mal joué. Vraiment extrêmement mal joué. Comment ça, c'est de la merde. Arrêtez. Plaisantez. Pas totalement de la merde. Ça y ressemble. C'en est pas totalement. Je vais me barrer très vite de cet étage. Hein. D'une part, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et deuxièmement, ma meilleure façon de m'en sortir, c'est de me barrer très très vite. Hein. Placenta. Ah. Bon, je vais peut-être pas me barrer si vite que ça de cet étage. Finalement. Mais je vais peut-être bien utiliser la Pandora's Box au prochain étage, moi. On verra. Pas impossible que je le fasse. J'ai quand même deux cœurs bleus à récupérer, plus un objet. Je suis pas dans une forme olympique avec mon perso. En grande partie de ma faute, bien sûr. J'ai assez mal joué. Bon, de toute façon, l'étage est quasi fini. Pas beaucoup de ressources à récupérer. Décevant. Un peu décevant. On va aller voir les témoins. De toute façon, c'est une Curse of the Blind. On va aller voir la secrète à la rigueur. Deux clés pour une bombe, c'était valable. Allez, on avance. On va avoir deux cœurs rouges, un cœur noir, ce qui est quand même moins dangereux. Pas confort, mais c'est moins dangereux. Non, ce qui est pas confort, c'est ces 0,90 de speed. Bien avoir de la vitesse quand même. Pour les esquives et tout ça, c'est quand même... pas mal. Notez que j'attends avant d'utiliser ma Pandora's Box. Parce que c'est pas encore totalement la merde. Ah, ça c'est bien. Très
Très bien. Très très bien même. Addicted. C'est moins bien. Bon bah voilà. Deux speed up. Merci les pilules. Elle a failli me sniper la gueule, cette saloperie. Quelque chose de sale. Hein. Encore un speed up, décidément. Sympa. La petite régène. La régène qui me fait me dire. Hop. Ouais, mais non. J'aurais pas dû. Elle chope. Le chope est plus intéressant. A priori. Faut trouver le magasin, ça serait pas mal. Histoire de voir ce qu'il y a dedans. De potentiellement être déçu. Et de voir la suite après. Genre l'item room. Qui nous attend. Pognon. Du pognon. Il y a du pognon. Toujours pas là. Peut-être falloir que j'allume la lumière, moi. Attendez. Je vais allumer la lumière parce que ça commence à être un peu sombre. Un peu mieux. Alors, bah on va reroll. On va prendre le cœur bleu quand même. On va prendre une blanquette, parce que c'est vraiment très très bien. Je pourrais prendre la blanquette. Ouais, pas con. Map. Ouais. On va aller faire des sous dans l'arcade. Très sympa StarCat pour le moment. Ah.
Bon, 37, c'est pas mal. Farme le pognon. Après, il va falloir trouver la bonne carte, quoi. Ah oui, je suis con, j'ai la carte. Oh, tant pis, hein. Of hearts. Pilule? Oh, c'est trop tard. Ah hein. Oh, putain, en plus c'est vrai. Pas grave. Ça va, niveau pognon, on est correct. D'accord. Ouais, niveau pognon, on est correct. Ça serait bien qu'il me donne le blood bag, ce serait cool. J'attends que ça. La machine la plus solide de la Terre. Le farming est réel, hein. Mal du tout. Aucun intérêt, mais bon. Oh.
Bon, allez, on va tuer le boss. Déjà bien farmé cet étage. Voulez-vous un peu de pognon sur votre pognon? Ah bah oui, tiens, il en manquait. Prendre ça. On va prendre le bouquin, hein, en vrai. Bon, allez, on va jouer blank card, c'est pas rigolo. Sub, ok. Ça y est, 20 centimes. On est ultra bien au niveau du build. Hein. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Hein. Retour sur Twitch le week-end uniquement. Parce que la semaine, bah je bosse la semaine. Ouais, je peux m'emmerder. Hop. En plein temps, j'ai même pas besoin de m'emmerder. Ok. Elle va être dure cette run. Elle va être vraiment dure à finir. Hein. Franchement, accrochez-vous. Hein. Franchement, accrochez-vous parce que là, je sais pas. Hein. Ça va être serré. Hein. Ok, je te voyais plus à 3h du mat, c'est normal. J'avais arrêté de streamer pendant un moment. Je suis revenu il y a peu de temps, c'est-à-dire le week-end dernier. Et désormais, voilà, les streams, c'est le samedi et le dimanche, entre 14h et 20h à peu près. Vos horaires, tout ça... Et on revient en plus sur du Isaac que j'avais lâché à un moment quand même. Oh merde, il y avait des pics au milieu. C'est con. Alors, la boussole, très bien. Strength. Ouais. Bon, on peut la proie si c'est mieux que Devil. Ouais, on avance parce que ça avance bien, donc on va pas non plus
Sur une run comme ça, on va pas s'emmerder. Hein. Ça, c'est le genre de run où tu peux aller vite. Hein. C'est pour le follow. Maldef. Encore un speed up. Décidément. Ah mais il est dur ce jeu hein, je vous promets. Hein. Alors ça, plutôt me couper la tête que de le prendre. Il est pas gentil le jeu pourtant. Ah oh, mais ça, ça c'est pas de bol j'ai envie de dire. Ah mais il a ses humeurs le jeu, faut le comprendre. Des fois ça va et puis des fois c'est la cata. Options, pas très intéressant pour le coup. Hangman, c'est pas du tout intéressant. On va mettre des pièces dans la machine. Ok, c'est pas mal. Bah non. Attends, on va voir ce que lui donne. De la merde, comme prévu. On va prendre ça. No. No. Plus d'activable. Oui mais non mais je la régène de toute façon. Ça sert tellement à rien ce que je suis en train de faire. Je peux pas me mettre un demi-cœur parce que j'ai la régène qui va me remonter. Faire ça par contre. C'est plus malin. Oui? Ok. Très bien. Bon. Allez. Pour que j'en ai spécialement besoin. Mais... Ça m'enlève mes cœurs rouges. Est-ce que je vais le regretter? Peut-être. C'est possible. Ah! 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 Comment vous dire? Vous avez 10 minutes? Vous avez 10 minutes dans le chat? Enfin, quand je dis 10, c'est plus 30. Hein. Enfin, déjà, faudrait y arriver parce que. Si je joue comme une merde, ça va vite se voir. Hein.
Oh, j'ai un cœur d'os. Rigolo. C'est pour le host, maman. Conquest. Ah oui, c'est Conquest, j'ai dit Justice tout à l'heure. N'importe quoi. Pourquoi je l'ai appelé Justice ou... Et salut. Bon, on va prendre la boîte, hein. Il y a quoi dans ce deal? Il y a, bah, il y a des dommages encore. Hein. J'en manquais. Comprenez-moi bien, j'étais limite en dégâts là. Ça serait quand même ballot de mourir en, ayant, en croyant que la run est gagnée d'avance. Un peu ridicule, mais ça peut arriver. Hein. Je me suis fait toucher, mais quel con, mais quel nul, mais quel énorme nul. Pas bien ce que je suis en train de faire, c'est trop dangereux. Mais c'est pas par là. Mais t'es sérieux? Oh, je croyais tellement que le jeu voulait me baiser. Des fois, hein, vous voyez. On croit que le jeu veut nous baiser, et puis non. Notez que je suis pas hyper hyper serein. Hein. Il suffirait d'un cœur bleu qui tombe quelque part pour Algera, ça serait la fête, mais et ça veut pas. Un ballot. Comme ça.
Alors. Yera. Pas très très cool ça. Oh mais merde. Certainement rien ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, ça peut tellement mal se passer cette affaire. On va arrêter de faire le con à un moment hein. Ça se passe pas bien. C'est pas une bonne nouvelle. Pas un HP up. Je suis dans la merde. Je suis officiellement dans la merde, hein. Mais sérieux, il y a 0 HP up dans ce jeu. Alors je les ai déjà tous eus. Non mais comment s'emmerder tout seul quoi. C'est hallucinant. Je vais mourir comme un sac à merde. Mais c'est garanti quoi. Oh qu'il est beau ce cœur bleu. Oh qu'il est beau ce cœur bleu. Oui, d'accord. C'était vraiment par là en fait. C'est ça le pire, c'est que c'était vraiment par là. Alors oui, les dégâts sont quand même bien. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Mais bon, pourquoi se faire des fire comme ça pour rien? C'est vraiment débile. Hein. Ouais, j'ai un peu peur de rien, ouais. Quel con. T'aurais vraiment pu m'exploser à la gueule. Ah. Pas ouf, ça. Hein. Ça n'existe pas, les HP up. C'est juste quand on a besoin que ça n'existe plus, les HP up. C'est hallucinant. Quel jeu. Bon, là, ça va. C'est rigolo. Oh, allez. On s'est fait des frayeurs pour rien, hein, quand même. La prochaine fois, je suivrai mon intuition. Je prendrai
prendrai la bif satanique et puis voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, Modest Touch, il prend quand même au meilleur moment. Je vous répondrai oui. Je vous répondrai oui. Salut Wolgeek. Salut Waterloo. Ah, ça passe quand même. Non, mais j'ai pris des risques vraiment inutiles. Hein. Cette run aurait dû se passer beaucoup plus sereinement. C'est ma faute, hein. J'ai joué au petit malin, ça a failli se retourner contre moi. Fait le malin avec Isaac, se fait défoncer la gueule. Ça ne rime pas, mais quand même.